Je m'appelle Mohamed Alassane et je suis originaire d'Agadez. C'est le berceau où j'ai grandi. Je suis lié à ça parce qu'en fait, j'ai eu la chance depuis mon tendre enfance avec mon arrière-grand-père de parcourir ces méandres, de visiter des familles, d'aller de voir la richesse de ces patrimoines-là, tout en m'expliquant l'importance d'aider ma ville d'Agadez pour que les générations futures puissent voir ça. Donc c'est un héritage qui m'a légué. Après mes études, je commençais réellement à mettre en place, n'est-ce pas, ces idées-là, comment faire une estricté avec des gens locaux pour qu'on puisse prendre soin de notre patrimoine. J'étais jeune, on n'avait pas ce problème d'inondation. Il y avait pas mal aussi de pluie, mais c'est moins grave qu'aujourd'hui. Donc avant, on arrivait quand même avec des petits travaux après la pluie à sauvegarder les maisons. Mais maintenant, ça va très vite, ça s'accélère. Donc les propriétaires n'ont plus le temps, ils n'ont plus les moyens de rénover chaque année les maisons. Dès que ça tombe avec, à cause de la fissure là-bas, ouais. C'est fini. Le reste va partir. Mohamed a toujours consulté les gens, il a consulté la population, il a consulté la chefferie traditionnelle, il a consulté les autorités et donc locales au niveau de l'administration de la mairie et il a consulté les services techniques. Nous, toujours, on discute avec lui afin de lui permettre de prendre une bonne décision par rapport aux travaux et aux actions qu'il doit mener. C'est la clé. Mohamed Alassane rassemblait pour Alif toutes les qualités pour mettre en œuvre un projet qui alliait qualité patrimoniale et cohésion sociale. C'est un opérateur local, c'est un professionnel du patrimoine du Niger, d'Agadez. Et pour Alif, c'est très important de soutenir des projets qui émergent localement. Chaque maison, elle est symbolique. Donc, il y a des maisons vraiment pour les artisans, il y a des maisons pour les femmes. La chef du quartier des femmes qui joue un rôle très important dans la stabilité même sociale de la ville d'Agadez. Il y a des maisons qui sont connues vraiment pour l'enseignement coranique, les sciences anciennes, mais surtout il y a des maisons de musique aussi, des grands danseurs. Donc toutes ces maisons-là, avant, étaient visitées par les touristes. Donc aujourd'hui, nous aimerons vraiment aussi que la population locale s'approprie de ces patrimoines-là, puisse partir aussi à la découverte de ces gens-là qui œuvrent toujours pour la valorisation de leur patrimoine.